C'est toi qui es arrivé à Jérusalem hier, je te reconnais. Tu étais sur une ânesse, suivi d'un ânon. J'ai entendu que tu serais le Messie, hein? Est-ce que ça pourrait être vrai? Poussez! Nous allons aider cet homme et nous vous rattraperons plus tard. Allez-y. C'est bien lui, n'est-ce pas? C'est lui, cet homme qui s'en va et le Messie. Oui, en effet, c'est lui. Excusez-moi, mais... quand va-t-il se proclamer roi? Je n'en sais encore rien. Sans doute le fera-t-il bientôt. Alléluia! Un nouveau roi nous est donné! Hosanna! Un nouveau roi! Plus de Romains pour nous faire la loi! Nous avons un roi! Nous avons enfin un roi! Et merci, mes braves! Merci de tout cœur! Merci mille fois! Le fait d'apprendre que Jésus est fils de David a transporté ce vieil homme. Il a retrouvé ses jambes. Je ne comprends pas. Pourquoi Jésus ne se proclame-t-il pas roi ici à Jérusalem aujourd'hui? Les gens n'attendent que ça. C'est évident qu'ils le veulent, mais ce n'est pas ce que veulent les autorités. Et que se passera-t-il selon toi quand César apprendra que Jésus est le nouveau roi d'Israël? Je n'ose l'imaginer. Il ne faut pas croire que les ennemis de Jésus n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir contre le Messie? Le Messie a tous les pouvoirs. Il est bien le Messie, non? Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc les Romains, ou tous ceux qui s'accaparent le pouvoir, seront impuissants devant lui. Un enfant nous est donné, dit Isaïe. Il apportera une paix sans fin. Et il affermira l'empire de David par le droit et la justice. Jésus couronné roi aujourd'hui, c'est impossible. Tout est possible pour Dieu. Mon capitaine. Oui, que se passe-t-il? Ce rabbin qu'on appelle Jésus est venu prêcher. Il est de l'autre côté. Il faut l'empêcher de rassembler la foule. Allons voir ça. Il se passe quelque chose. Allons voir. Jean-Baptiste s'est présenté à vous en toute justice. Il vous a montré où était le droit chemin qui mène à l'amour de Dieu. Mais vous vous êtes moqué de lui. Vous avez ri. Vous n'avez pas voulu croire en ses paroles. Aujourd'hui, vous êtes toujours les mêmes. Vos cœurs sont durs. Pourquoi refusez-vous de vous repentir? Comment ose-t-il parler ainsi? Retire immédiatement ces paroles blessantes et inspirées par un esprit malin. Calme-toi. Sois prudent, Amos. Il est entouré d'une foule prête à tout pour lui. Par quelle autorité s'octroie-t-il le droit de nous parler ainsi? En vérité, je vous le dis, cela vient du Seigneur. Car le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Lisez dans les Écritures. Ah, scandaleux! Cette fois, il est allé trop loin. Vous avez entendu? Il a été clair, il l'a bien dit, il va leur enlever le pouvoir. Qu'attendez-vous pour l'arrêter? Vous voyez bien qu'il prêche le désordre. Il sème l'agitation et cela finira par troubler l'ordre public. Je ne crois pas. Oh, il veut être roi, arrêtez-le! Mais enfin, il veut être roi d'Israël! Mon devoir est de maintenir la paix et selon moi, tout est paisible ici. Les gens sont calmes alors que si j'arrêtais cet homme, nous pourrions avoir de graves protestations. Vous voyez? Personne n'empêchera le Messie de devenir roi. Oui, peut-être que le moment est arrivé pour lui de montrer sa puissance. Écoutez cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à celui d'un roi qui avait envoyé ses serviteurs pour inviter ses sujets au mariage du prince, son fils. Mais ceux-ci ne voulurent pas venir. Vous dites qu'ils ont décliné mon invitation? C'est cela, sire. Ils vous ont donné une raison, j'imagine. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés ou que ça ne les intéressait pas. Sire, en vérité, sachez que plusieurs de vos sujets sont contre votre règne. Et quels sont les fondements de leur ressentiment? L'orgueil et l'envie, sire. Ils rêvent d'être à votre place sur le trône pour avoir votre pouvoir, donc par envie, ils vous refusent les honneurs qui vous sont dus. Cependant, ils les désirent pour eux-mêmes. Retournez auprès de mes sujets et faites-leur savoir que je les aime. Dites-leur que je veux qu'ils se joignent à nous pour la célébration.
je vous en prie. Aidez-les afin qu'ils puissent comprendre. On l'a déjà dit, on n'est pas intéressé, pas du tout intéressé. Laissez-nous tranquille. Nous ne voulons pas aller au mariage de ce prince. Nous ne voulons que la paix. Mais le roi a été si bon avec vous. Assister au mariage de son fils serait une façon de lui montrer votre gratitude. Le fils du roi, après tout, est votre prince, et je crois que vous devez venir. Comment oses-tu nous juger et nous donner des ordres? C'est nous qui gouvernons ce royaume. Tu n'es qu'un serviteur. Sachez qu'il n'y a pas de plus grand honneur que de servir ce roi juste et bon. C'est grâce à notre travail que ce royaume est prospère. C'est en notre honneur que le roi doit donner une fête. Vous faites une terrible erreur. Je vous en prie, réfléchissez. Je vous en prie. Laissez votre orgueil et vos rancœurs de côté et venez à la noce du prince. C'est toi qui fais une terrible erreur en insistant. Vous n'avez pas de loyauté. Maintenant, je vais te faire payer ton arrogance. Cet homme avait pour mission d'insister auprès de vous. Je vous conseille de trouver en vous un peu d'humilité et d'accepter l'invitation du roi au mariage de son fils, le prince. Et voilà ce que j'en fais de l'invitation du roi. Je crache dessus. C'est donc votre dernier message au roi concernant la noce? Non! Pas tout à fait. J'ai pourtant essayé de l'aider, mais je n'étais pas de taille. Venez, approchez-vous. Trouvez les coupables le plus rapidement possible et amenez-les au palais. Quelle déception. Quels ingrats. Je te suis reconnaissant d'avoir survécu. J'irai encore les voir pour essayer de les convaincre. Si tel est votre désir, sire. Oui. En effet, tu lanceras une autre invitation. Oui, sire, si tel est votre désir. Mais cette fois, mon ami... Cette fois, je veux que tu ailles dans les campagnes, que tu prennes les sentiers les plus reculés, que tu découvres les endroits les plus pauvres, que tu rencontres les gens les plus humbles et que tu invites tous ceux que tu rencontreras. Vous devez savoir, sire, que dans ces lieux, je rencontrerai beaucoup de gens malades, infirmes et que pour la plupart, ils sont démunis de tout. S'ils devaient accepter votre invitation, vous... Si par bonheur, ils acceptent mon invitation au festin, nous les recevrons avec tous les honneurs. Mes Beugras sont tués. Tout est prêt, nous les attendons. Oublions ceux que nous avons tout d'abord invités. J'y vais, sire. Salut, brave femme. Je viens vous inviter de la part du roi au mariage de son fils, au palais. Qu'est-ce que vous dites? C'est sûrement une erreur. Moi, au palais? Allez mettre vos plus beaux vêtements et présentez-vous ce soir au palais royal. Vous êtes certain que c'est bien nous? Nous que veut voir le roi? Oui, et il espère que vous accepterez. Oh! Nous? Écoutez ça, nous sommes invités au palais! Oui, le roi nous a invités au palais pour un festin en l'honneur de son fils qui se marie! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? On est invités ce soir au palais du roi! On doit porter nos plus beaux habits! Mais qu'est-ce que je fais, moi? J'ai rien d'autre à mettre! Je vais vite les laver, ça ira. Mais toi, tu dois arranger tes sandales. Oh, un mariage au palais. Tu crois que le roi va me renvoyer? Mais je n'en sais rien. Et moi, tu crois que ça va aller? Bah, tu n'es pas le plus vilain de la région, ça ira. Eh, je ne cherchais pas un compliment. Ah, je t'ai dit ce que je pensais, rien d'autre. Faut pas se leurrer, regarde-nous. Le roi va nous fermer la porte au nez. Je vous souhaite la bienvenue, mes amis. Majesté, veuillez me pardonner, oui. Veuillez pardonner mon apparence. Ne t'excuse pas, je suis heureux de ta présence. Je connais la grande bonté de ton cœur.
Et je suis honoré par l'amour et la loyauté que vous me témoignez tous. Maintenant, levez-vous et que commence la célébration tant attendue. C'est pourquoi je vous le répète, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en récoltera les fruits. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Maintenant, j'en suis parfaitement convaincu. Oui, il l'a dit, le royaume de Dieu nous sera enlevé. Et sera donné à une autre nation. Une autre nation qui en rendra les fruits, une nation qui sera élue. Y en a-t-il eu quelques-uns qui n'ont pas été choisis sur les berges de Galilée? Il est difficile d'imaginer que ce temple immense sera bientôt son palais. Mes amis, vous voyez cette grandiose construction? Oui, maître, et je crois que nous savons déjà ce que tu vas nous dire. Je vous le dis en vérité, le jour approche où il ne restera de ces murs plus une seule pierre. Je ne comprends plus. Il dit qu'il prend le pouvoir et après que le temple sera détruit. Ça n'a pas de sens. Je voudrais qu'il m'explique. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a dit. Il l'a bien dit. En vérité, je vous le dis, il ne restera de ces murs plus une seule pierre. C'est sans doute une parabole ou une façon de le dire. Il aime bien s'exprimer ainsi. Peut-être qu'un nouveau temple sera construit à la place de celui-là, qui sait. Peut-être qu'il y aura quand même une bataille et que nous devrons combattre les Romains en fin de compte. Allons lui demander. Mes amis, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Nous ne serons pas séduits. Prenez garde à vous-même. Nous savons que tu es venu sauver Israël. Encore une fois, je vous le répète, prenez garde, ne vous laissez pas séduire, car avant longtemps, plusieurs viendront en disant « Je suis le Christ » et ils réussiront à en séduire plus d'un. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Maître, dites-nous, quand se produiront ces cataclysmes? Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Maître. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Écoutez cette parabole. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait se présenter, il aurait surveillé sa maison. Alpheus, 36, 37. Le voleur a encore frappé. C'est la cinquième fois en 21 jours. Tu te rends compte? Oh, tu vois ce que tu as fait? Je ne sais plus où j'en suis. Je pense que j'en étais à 39 ou 32. Oh, tu sais ce que tu as fait? Je dois recommencer. Oh. 31, 32, 33.
On va faire des gardes. On a trois. Tout le monde est d'accord. Tu veux faire la garde de 9 à minuit, de minuit à 3 ou de 3 à 6. 3 à 6, c'est 36, 36. Non, 3 à 6, 3 à 6. Oui, mais ça, c'est en plein milieu de la nuit. Parfait, personne n'a pris ce créneau horaire. Donne-moi ça. 3 à 6, mais t'es fou, je ne me joindrai pas à vos stupides gardes de nuit. J'ai besoin de dormir, moi. J'ai besoin de toute mon énergie pour compter mon argent. Au revoir. Tu risques de ne plus avoir d'argent à compter si tu ne nous aides pas à arrêter ce voleur. Toi aussi, tu dois t'y mettre. Le voleur ne pourra rien me prendre. Je suis bien protégé. Ça ne m'inquiète pas du tout. Le voleur ne peut rien contre ma fortune. Je n'ai aucune raison de m'en faire. Tu as tort. Mais si tu aimes vivre dangereusement, alors? Oh, je n'ai pas de leçons à recevoir de toi. Fiche le camp d'ici. Laisse-moi compter tranquillement. J'ai besoin d'une bonne nuit de repos. Nuit de repos? Oui, Didi, c'est exact. Ça va donc. Maintenant, j'installe mon terrible piège. Là. Voilà. Est-ce que tout est en place? Oui, tout est bien. Oui, tout est bien, tout est bien. Je voudrais bien voir comment ce grand méchant voleur pourrait réussir à me voler mon argent avec le système anti-vol que j'ai installé. Je voudrais voir ça. Système anti-vol, je voudrais voir ça. Moi aussi, hein. Bonne nuit. Garde de nuit. Mais oui, c'est pas pour moi, ça. La nuit, je dors. Là. Il est par là. Allons-y. Silence! Certains d'entre nous essaient de dormir. Silence! Si je ne dors pas, je sais que je vais perdre de l'argent. Je ne pourrais pas compter. Heureusement que je n'attends pas après vous pour protéger mes biens. Allez donc vous coucher. Une pièce en argent, deux pièces en argent, trois pièces en argent, quatre pièces en argent, cinq pièces en argent. Oh. Tu veux bien tâcher ma sandale, grand-mère? J'y arrive pas, c'est trop difficile. Non, je t'en prie, attache-la pour moi, je t'en prie, grand-mère. S'il te plaît, fais-le, fais-le, tu veux. Hein? À l'aide! Oh non! Ah, mon argent! N'ai-je pas entendu ce qu'on me disait? Pourquoi ne me suis-je pas préparé? Maintenant, il est trop tard. Il est trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mais si un mauvais serviteur se dit « Mon maître tarde à venir » et qu'il se met à battre ses compagnons,
et qu'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour et à l'heure où le serviteur ne s'y attendra pas. Il sera alors chassé, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, vous savez que la Pâque est dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera crucifié. Je vais bientôt retourner à Jérusalem. C'est là que je serai arrêté. Mais n'oubliez pas que le 3e jour, je ressusciterai. À bientôt, mes amis. Il va mourir? Et il dit qu'il va ressusciter. Mais comment le Messie peut-il être crucifié? Nous avons été séduits car nous avons entrevu sa puissance. Il nous a prévenus de ne pas nous laisser séduire. Je n'y comprends pas grand-chose, mais je sais que cet homme est le Fils de Dieu. C'est sûr. Il est le Christ. Il est notre Sauveur. Il est le Roi des Rois. Emmanuel. Il est l'agneau de Dieu. Notre Maître. Notre Père éternel à tous. Le Prince de la Paix. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec leurs trompettes retentissantes, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Va revenir bientôt.
Dieu entend bien tes prières, mais crains.